Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. À l'affiche aujourd'hui, l'Ukraine contre la Pologne. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulet. Salut Grégoire, toujours un plaisir de commenter un match avec vous. Et toujours un moment très solennel. Écoutons maintenant l'hymne de l'autre équipe. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. C'est parti! Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Peut-être Robert Lewandowski. Il adore le jeu direct, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en particulier, les ballons dans le dos des défenseurs. C'est vrai, un grand buteur se doit de faire la différence dans un match pareil. Il glisse le ballon en profondeur. Rosicky. Signale une faute. Oh, ça démarre fort. Voici le premier carton du match. C'est un ballon offert à l'adversaire. Il en profiter dans le dos de la défense. Et les statistiques confirment notre impression, une possession déséquilibrée, mais zéro tir. Quelle passe. Rotan. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué long, attention. Oh, c'est dedans. C'était une frappe monstrueuse. Quelle puissance, c'est merveilleux. Allez l'arrêter celle-là, tiens.
sont bien rentrés dans ce match et ouvrent la marque très tôt. Oh, Lewandowski. C'est quand même un début de match de rêve. C'est puissant sur l'aile. Il a du champ sur le côté. Il cherche son coéquipier. C'est bien fait, ça. Il faut frapper, là. Et il trompe le gardien. Ah, il est toujours bien placé. La preuve. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Du rond central, égalité parfaite. Ah, ça c'est un grand classique. Ils sont encore en train de fêter le but et hop, ils se font remonter. Rosicky. Blachikowski. Ils peuvent contrer. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Et la bonne intervention. Tacle parfait, l'arbitre laisse jouer sans problème pour le gardien. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux, c'est dommage. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Il la met dans la boîte. Ils sont en réussite parce que là, c'était chaud. Il n'a pas hésité, c'est propre. Il continue sa course. Ça va atterrir dans l'axe. Et un contact qui n'était pas régulier, coup franc. Et ses coéquipiers qui se rassemblent autour de lui, ils ont l'air inquiets. Tant qu'on le garde dans le but, il est inoffensif. C'était bien défendu. Il joue dans l'espace. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. Rotan. Yarmolenko. Il glisse le ballon en profondeur. Quelle fait du bien cette interception. Le gardien loin devant. Le ballon s'en touche. Rosicky dans le dos de la défense. Il peut en profiter. Le but pour la Pologne. Et ils sont à nouveau devant. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. En plus, je crois qu'il la frappe d'instinct, sans regarder les buts. Thank you.
avec un petit but d'avance. Ils ont réussi à renverser la situation, mais peuvent-ils tenir jusqu'au bout? Bonne intervention, c'est récupéré. Blachikovski. Dans 5 minutes, l'arbitre va siffler la pause. Il restera un ou deux bons coups à jouer là. Rosicky. Cherini, Yarmolenko, Stepanenko. Et la touche maintenant. La passe est précise. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. Et c'est reparti. Bon, je vais faire un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Yarmolenko. La passe en profondeur sur le côté. Oh, l'inspiration! Et c'est bien fait, mais ça ne suffit pas. La défense doit vraiment fermer les espaces. C'était trop facile de centrer, là. Rosicky qui a offert cette passe décisive. Il tente de la jouer dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. C'était dans la profondeur, ça n'arrivera pas. Oh, le petit ballon piqué! Shevchuk. Qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Shevchuk. Yarmolenko, le bon service. Rotan, c'est intercepté, enfin un peu d'air pour la défense. La passe interceptée. Il part au plus pressé, loin devant. Le ballon sort en touche. Il envoie le ballon dans l'axe. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exact. Et oui, but! Je le sentais venir celui-là, je vous le jure. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. Ouh là là, c'est pas bon signe quand on encaisse un but comme ça. Il faut boucher les trous et vite. Équipe à égalité. La réponse du berger à la bergère, comme vous dites. Vont-ils forcer la décision ou se contenter de ce score? L'entraîneur n'a toujours pas fait le changement, ça va peut-être venir. Shevchuk, c'est joué long, attention.
centre devant le but. Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. La Pologne profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, leur axe n'était pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Belle passe lobée. Bonne intervention. Rotan, ça joue long. Rosicky. Blachikowski. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Dans le dernier quart d'heure. Pour trouver la faille dans la défense. Ça, c'est une interception parfaite. Blachikowski. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Mais l'arbitre est clair, il lui dit de vite se calmer. Blachikowski, s'il le trouve. Les dernières minutes, on se dirige vers un match nul. C'est le moment ou jamais de marquer ce but ô combien précieux. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Oh, attention! Il progresse encore. Le ballon sort en touche. Ça bouge sur les bancs de touche, on devrait assister bientôt à un changement. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Lewandowski. Ça passera sur le côté. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il joue dans l'espace. Le voilà servi. Il a tenté, bien joué. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Il va falloir beaucoup plus de percussion, beaucoup plus de permutation et surtout de la vitesse avant que l'arbitre ne siffle la fin de ce match. Il glisse le ballon en profondeur. Blachikowski. C'est joué long, attention. C'est osé. C'est fini! Le match est terminé! C'était un match spectaculaire, d'accord, mais à l'arrivée, c'était un match nul. Il a simplement manqué un petit peu d'efficacité des deux côtés aujourd'hui. C'est un match nul, c'est certain, mais il y a du positif à en tirer. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt!
score!